Lors d'une précédente vidéo, je vous ai parlé des hotends et de leur fonctionnement exact. Cette fois-ci, je voudrais aborder une petite comparaison entre la fameuse 3DV6 que tout le monde connaît et le concurrent qui fait parler de plus en plus de lui et qui a fait pas mal couler d'encre en 2020, c'est-à-dire la Hotend Dragon. Alors, on va voir qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qui fait la force de la Dragon par rapport à la 3DV6, etc., etc. Tout d'abord, je tiens à remercier la marque Homers qui m'a fourni cette Hotend Dragon et sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout, comme ça vous aurez les conditions qui vous permettront d'avoir une réduction sur cette Hotend et la payer nettement moins cher que ce que vous auriez payé chez quelqu'un d'autre. Oui, au passage, Homers n'a absolument rien à voir avec un des personnages principaux d'un célèbre dessin animé américain. Alors l'idée de la Dragon, elle vient pas de nulle part. Elle vient de Slice Engineering, qui est une société américaine qui a décidé de fabriquer une Hotend qui s'appelle la Mosquito. Alors cette Hotend-là, elle a une spécificité, c'est qu'au lieu d'avoir un heatbreak court qui assure toute la résistance de la Hotend, ils ont décidé de bouger cette résistance-là dans des petits tubes en acier entre le heatblock et le radiateur. Alors le heatbreak, il est ici au milieu. Alors vu que toute la résistance se situe au niveau de ces petits plots en acier, ils ont pu faire un heatbreak aussi fin que possible. Et donc là, on est de l'ordre des parois de 0,1 mm, ce qui est vraiment très très fin par rapport à ici où ouais, voilà, il faut assurer quand même une résistance, donc on est sur quelque chose d'un peu plus épais. Alors le gros avantage d'avoir des murs fins au niveau de l'acier qui se situe dans le heatbreak, c'est que la transmission de chaleur se fait beaucoup plus difficilement entre le heatblock et la partie haute, le radiateur. Et de ce fait, évite aussi d'avoir du filament qui se liquéfie trop vite dans la hotend, puisque l'essentiel est concentré ici. Et donc en théorie, on se retrouve avec une Hotend qui est compatible avec la 3DV6 en ayant les avantages de la Mosquito. Donc c'est-à-dire une meilleure résistance du headblock par rapport au crash possible de votre bus sur le plateau. Donc ici, on voit bien que il n'y a pas de risque possible. Ici, ben, on sent bien qu'il y a un seul point de résistance de la Hotend qui peut se plier. C'est notamment arrivé ici sur ce headbreak, qui a plié suite à un crash sur le plateau. Le deuxième avantage, c'est qu'on a une zone ici pour la fonte du filament qui est beaucoup plus grande, c'est-à-dire qu'on peut théoriquement tirer plus de filaments à plus haute vitesse que sur une 3DV6 où là la zone de fonte est vraiment située au niveau du heatblock. Ici, ça remonte plus haut sans risquer d'avoir du clogging ou d'avoir du heat creep à ce niveau-là. Alors chacune de ces hotends présente des avantages et des inconvénients. Je vais parler du principal avantage de la 3DV6, c'est son prix. Puisque pour un clone comme celui-ci, on se trouve aux environs de 20 €, et sachant que c'est un clone de très bonne qualité. Pour une Dragon, on est plutôt aux alentours de entre 50 et 60 €. Donc c'est-à-dire que pour le prix d'une Dragon, vous en avez deux ou trois selon les prix en 3DV6. Donc ça c'est un critère qui a son importance. Alors un autre avantage de la Dragon, c'est qu'elle est disponible en deux versions. On a la version Standard Flow qui est celle-ci, et on a la version High Flow que je n'ai pas, qui dispose d'un heatbreak qui est différent, avec une melt zone qui est plus grande. Alors, la différence entre les deux, elle est comme la différence entre la E3DV6 ici, qui est en version normale, et la E3DV6 Volcano, voilà, avec l'embout Volcano qui est celui-ci. Alors la différence, on la voit bien, c'est que le bloc standard, il est assez court, le bloc Volcano est plus long. On a la Super Volcano qui est encore plus longue. Et alors le problème de ces blocs-là, c'est qu'à chaque fois, il faut une buse spéciale qui est plus longue. Donc c'est-à-dire que vous devez avoir un stock de buses classiques plus un stock de buses Volcano ou Super Volcano. Voilà. Si jamais vous imprimez du filament abrasif ou quoi que ce soit,
ça peut vite revenir cher. Tandis qu'ici, au niveau de la Dragon, on est sur une buse standard, qui est même interchangeable avec celle de 3D. Et donc, vous pouvez réutiliser vos buses classiques, comme celle-ci. Allez voir, elles sont tout à fait compatibles. Voilà. Donc si vous avez déjà des buses en acier trempé, des buses en, ici comme celle-ci, en cuivre plaqué, bah, vous pouvez tout réutiliser sans aucun changement. Ça, c'est un gros avantage pour la Dragon. Alors un autre avantage aussi de la Dragon par rapport à la E3 DV6, c'est que la buse peut être serrée à froid. Et ça, c'est vraiment un gros avantage, c'est-à-dire que vous insérez votre nouvelle buse, vous la serrez, hop, et là vous risquez pas d'avoir de fuite entre le heat block et la buse. Tandis que pour la E3 DV6, voilà, il est recommandé de d'abord chauffer l'ensemble avant de serrer la buse, parce que vous pouvez la serrer encore un peu quand le métal a travaillé. Et donc ça, c'est évidemment un gros avantage, puisque changer une buse à froid avec une main, bon ben, c'est super simple. Chauffer l'ensemble pour après serrer la buse, ça nécessite d'avoir une pince pour tenir l'ensemble, tenir le bloc, et de serrer ensuite la buse pour éviter d'avoir une fuite. Si vous ne le faites pas, voilà, c'est toujours le risque d'avoir une fuite, et ça, c'est embêtant parce que ça fait rater vos points. Alors au niveau des dimensions, la Dragon est censée être la même que la E3 DV6. Donc c'est censé avoir les mêmes dimensions, c'est ce qu'on va vérifier. Donc on est à 62,22 pour la E3 DV6, 62,09, ok. Et pour la Dragon, on est à 63,39, donc on a 1,2 mm de différence entre les deux. Et ça, ben, c'est pas tout à fait compatible, hein, les gars. Donc, pour vérifier ça, parce que j'avais déjà vérifié ça hors caméra, j'ai comparé avec une autre Dragon qui est fabriquée par Fightus et qui est censée être vraiment aux mêmes dimensions que la E3 DV6. Et là, on est à 62,4, donc 0,3 mm de différence. On est quand même dans une marge de 62,3. Voilà. Donc 0,2 mm de différence, on est quand même dans une marge tout à fait respectable de différence. Donc là, on peut considérer qu'on est sur les mêmes dimensions, on n'est plus sur 1 mm de différence. Alors évidemment, quand j'ai remarqué ça, j'ai contacté le fabricant en leur expliquant que ben voilà, 1,2 mm de différence, c'est quand même pas rien, et que ben, quand ils vendent une hot-end qui est censé respecter les dimensions de la 3DV6 et qu'on n'a pas les mêmes dimensions, ben on a un problème. Parce que évidemment, 1 mm de différence, ça peut jouer pas mal déjà sur le niveau de votre plateau. Ça peut jouer aussi sur le refroidissement de la pièce. Donc c'est-à-dire que le refroidissement est censé arriver au niveau de la pièce et pas arriver au niveau de la buse. Sinon on a un refroidissement prématuré de la buse. Si on a 1 mm plus long, ben la buse va plus bas, donc elle est théoriquement susceptible d'entrer en contact avec le flot d'air qui va arriver pour refroidir votre pièce, donc ça c'est pas très correct. Du coup, ils m'ont assuré qu'ils allaient prendre les mesures nécessaires pour raccourcir ça, parce qu'en fait la différence elle se situe au niveau des entretoises en acier qui sont ben, 1 mm trop longues par rapport à celle de Fightus, on le voit bien ici, il y a une nette différence entre les deux. Donc a priori pour les prochains batchs de pièces, ils vont raccourcir ça, et en attendant, ils m'ont promis de faire un geste commercial sur l'achat de celle-ci, donc c'est ce que j'attends. Je vous mentionnerai ça en fin de vidéo pour savoir les conditions que j'ai pu obtenir. Alors maintenant au niveau de la largeur, alors, on se situe à 22 mm pour la 3DV6, 22 mm aussi pour la Dragon de Homers, et
22 mm pour celle de Phytus, donc c'est parfait. À ce niveau-là, aucune différence. Alors, ma petite astuce supplémentaire quand vous achetez une nouvelle hot end, ne la montez pas directement sur votre imprimante. Pourquoi ? Parce qu'on est sur du métal qui a été usiné. Et donc, vous avez toujours le risque d'avoir du métal qui reste à l'intérieur, de l'émail de métal. Et si vous montez directement l'ensemble, vous risquez d'avoir le plastique qui va fondre ici, qui va capturer ces morceaux de l'émail et qui va venir boucher ici la buse. Donc, la petite astuce toute simple, vous démontez la buse, prenez de l'air sec, vous faites un coup à l'intérieur, ça va faire sortir le gros de l'émail. Ensuite, vous prenez du filament, toujours sans buse. Vous passez le filament à l'intérieur, voilà, vous faites quelques allers-viens. Et normalement, ça va enlever la plupart de l'émail. Alors, pour être sûr, vous repassez un coup de soufflette dedans, puis, et voilà. Alors maintenant, je vais monter cette hot end là dans mon imprimante et je vais faire des tests comparatifs avec la 3DV6 pour lesquels j'ai déjà fait les tests. Les tests ont été réalisés le même jour avec le même PLA sur la même imprimante. Le but est de comparer les résultats d'impression sur des prints relativement complexes, d'abord avec la V6 qui a été nettoyée sans nouvelle buse, ensuite avec la Dragon qui est neuve. Mais ceci ne devrait pas avoir d'incidence sur les résultats. J'utilise la même cartouche de chauffe et le même thermistor dans les deux cas. Les hot ends sont reliées en Bowden et le paramètre de Pressure Advance est désactivé pour chacune des hot ends pour ne pas fausser les résultats. Les G-codes n'ont pas été modifiés entre les prints. Alors je vous avouerai qu'avant de commencer les tests, je m'attendais à ce que la Dragon me donne un résultat moins bon que la V6, étant donné qu'on a une mailzone plus grande et donc théoriquement plus de chances de faire du streaming. Mais vous allez voir dans les résultats que c'est pas forcément le cas. Mes tests consistaient à désactiver tous les paramètres de rétractation du slicer pour vérifier la quantité de stringing qu'on obtenait avec une hot end et puis avec l'autre. Donc le stringing, c'est quand le filament continue à fondre alors que la tête d'impression passe d'un point à un autre et est juste en trajet, donc elle n'est pas censée imprimer, pas extruder en tout cas. Donc à gauche, on a le résultat obtenu avec la V6 et à droite, on a celui obtenu avec la Dragon. Bon, comme vous pouvez le constater, on note très très peu de différence. Les seules petites différences qu'on a se situent au niveau des cheveux d'ange ici, donc c'est vraiment les streaming pouf. Hein. On en a moins sur la Dragon ici que sur la V6, mais sinon au niveau des grosses traces de streaming, là on est plus ou moins sur la même chose des deux côtés. Alors on peut noter ici avec le résultat de la V6 un phénomène de sous-extrusion au niveau des petites pyramides, donc on voit que les pyramides ne sont pas nettes, contrairement à celles qui sont imprimées sur la Dragon. Alors je vous avoue que je ne connais pas l'explication et j'ai pas plus investigué que ça puisque c'était pas le but et ça se voit uniquement sur ce genre de print. Deuxième test consistait à imprimer ce benchmark, voilà. Dans le but essentiellement de vérifier l'overhang, donc la capacité à imprimer en diagonale. Et ici, au niveau du bridging, donc la capacité à imprimer sans support. Alors au niveau de l'overhang, je suis désolé, mais sur cette vidéo, vous ne verrez pas grand-chose, malheureusement, à cause du fait que simplement on est sur du PLA noir, et avec le contraste de la vidéo, bah, vous ne verrez pas grand-chose. Ce que je peux vous dire, c'est que ici, au niveau de la V6, à 45 degrés, on est bon. Après, donc 60 degrés et 75 degrés, on voit clairement apparaître des artefacts. Sur la longue, on est jusqu'à 40 degrés sans aucun problème. À partir de 60, on commence à voir des défauts apparaître. Par contre, sur la Dragon, on est correct jusqu'à 30 degrés. Ensuite, à 45 degrés, on commence à voir des défauts apparaître. Et sur la longue, on est OK jusque 30 degrés et pareil, à partir de 40 degrés, on voit apparaître des défauts jusque 80 degrés, où là, c'est la catastrophe sur les deux.
C'est-à-dire qu'au niveau de la Dragon, on a des paramètres de température qui sont a priori à ajuster un peu plus finement que sur la V6 pour obtenir de bons résultats. Et au niveau du bridging, c'est assez similaire dans les deux cas. On n'a aucun problème pour assurer le bridging, même le plus long. Enfin, le dernier test consistait à imprimer un rectangle de plus en plus vite afin de pousser l'extrudeur dans ses derniers retranchements. Donc voilà ce que ça donne et je vais vous expliquer tout de suite. Alors au niveau de la capacité à extruder, alors sur la V6 on a ici 21,10 mm de hauteur avant de commencer à avoir de la délamination et voilà, plus aucune capacité à imprimer correctement. Sur la Dragon par contre on se situe au niveau de 26,95 mm avant d'avoir le même genre de phénomène, donc c'est-à-dire que la Dragon a a priori une capacité d'extrusion meilleure à plus haute vitesse. Donc c'est-à-dire que si vous avez tendance à imprimer rapidement, voilà, vous aurez a priori de meilleurs résultats avec la Dragon qu'avec la V6 sans devoir augmenter la température. Donc je précise, ici on est à 200 degrés, ici aussi, donc on a exactement les mêmes conditions de test avec le même G-code. Et enfin, je me suis amusé à optimiser les paramètres d'impression pour pouvoir imprimer un Benchy le plus proprement possible avec une Dragon. Donc voilà le résultat, on voit qu'on a un petit peu de stream. Résultats qui sont tout à fait corrects. Deuxièmement, Homers a fait du bon boulot en choisissant ses sous-traitants pour fabriquer cette patente. Troisièmement, si vous avez l'intention d'upgrader une V6 par quelque chose de mieux, ben, pour moi je peux vous conseiller tout à fait la Dragon, celle de Homers en particulier puisque c'est celle que j'ai testée donc je la connais. Jamais vous devez imprimer des plastiques à haute température, ben, pour moi la question ne se pose même pas, vous devez partir sur une Dragon puisque vous aurez des meilleures capacités d'impression à haute température. Le matériel est prévu directement pour fonctionner jusqu'à 450 degrés. Vous avez un refroidissement qui est mieux optimisé, donc c'est-à-dire que vous aurez moins de risques de heat creep ou de bouchage de la buse. Par contre, vous tenez à votre budget et que vous imprimez très peu de plastique à haute température, que vous imprimez plutôt essentiellement du PLA, à ce moment-là, je ne peux pas vraiment vous conseiller une Dragon. Partez plutôt sur une V6, puisque pour le prix de deux V6, vous avez une Dragon. Donc, pour moi, la différence de prix ne se justifie pas à ce niveau-là. Si par contre, vous avez tendance à avoir votre buse qui crache régulièrement sur le plateau, si vous êtes plutôt maladroit ou si vous avez envie d'avoir les avantages de la Dragon et que vous vous en foutez un petit peu de payer plus cher, pour moi, la Dragon, voilà, c'est sans hésiter, vous la prenez, c'est un super upgrade par rapport à la V6. Alors, si vous êtes intéressé par l'achat d'une Hotend Dragon, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo pour savoir quelles sont les conditions que j'ai pu négocier auprès du fabricant. N'oubliez pas, vous aurez beau avoir le meilleur matériel du monde, la meilleure imprimante du monde, si vous ne maîtrisez pas vos paramètres d'impression, vous n'obtiendrez jamais de bons résultats. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en apprendre toujours plus sur les imprimantes 3D. À très bientôt pour une prochaine vidéo !